ans et va se poursuivre jusqu'au 28 avril. Donc, je vais commencer par définir un peu les objectifs donc, de cette journée. On a dit Acceleration Day, c'est un peu le lancement officiel de ce challenge. Donc, c'est le premier contact avec les participants. Agréablement surpris, on a eu plus que 200 équipes participantes avec une moyenne de 3 jusqu'à 5 donc, participants. Donc, le nombre de participants s'élève à 800. L'objectif de cette journée, comme il a été dit, c'est de mettre en relation les participants avec les experts qui sont là, avec les organisateurs, leur expliquer un peu les ambiguïtés peut-être autour de ce processus donc, de challenge. Mais surtout, on va plus tard introduire donc, les différents besoins métiers dans les secteurs ciblés qui ont été évoqués, agriculture, environnement, énergie, santé, transport et sécurité. Et plus tard, il y aura une session de coaching personnalisée par équipe. Donc, on compte parmi nous plus que 30 coachs, même plus que 40, je pense. Et surtout, l'objectif de cette session, maintenant, c'est d'exposer bien votre idée. Donc, poser le maximum de questions à vos coachs pour attirer leur attention sur éventuellement les problématiques ou sur les points qui vous intriguent. Et bien sûr, donc c'est une occasion pour valider votre idée, pour la développer et c'est motivant pour vous pour démarrer sur des bases solides. Je vais revenir un peu sur les conditions de participation à ce challenge. On a dit dans les affiches d'inscription, etc., qu'on exige une équipe de 3 à 5 participants. Déjà, on a exigé qu'au minimum, il y a 3 participants parce qu'on veut créer donc, cet esprit d'équipe et cet esprit de travail collaboratif qui émane donc, un projet concret, pas seulement une personne qui a une idée qui n'arrivera pas donc, à achever cette idée. Obligatoirement, 3 personnes minimum, donc on sera obligé de rejeter les inscriptions avec moins de 3 personnes. Ça, c'est une contrainte donc, très sévère. Bien sûr, il faut que votre projet soit dans l'IoT et il répond à un besoin dans l'un des secteurs donc, du challenge. Il y a des règles qu'il faut respecter. Un candidat ne peut pas participer à plus qu'un projet. Donc, on a vu dans les inscriptions qu'il y a des noms qui se répètent dans plusieurs équipes, ce n'est pas possible. On ne peut pas courir dans deux couloirs dans une compétition. Donc on doit être dans un seul projet, dans une seule équipe. Donc une équipe non plus ne peut pas participer à plusieurs projets, c'est-à-dire elle ne peut pas proposer plusieurs projets, c'est un seul projet par équipe. Une équipe, elle peut avoir son coach, c'est-à-dire on a vu des inscriptions avec des coachs qui vont les orienter, qui vont encadrer donc, l'équipe, mais on se proposera plus tard, dans la mesure donc, plus possible, de proposer ou d'affecter des coachs aux différentes équipes. C'est clair que le coach il ne fait pas partie de l'équipe, ce n'est pas un participant. Donc il ne peut pas faire partie donc, du jury, il n'évalue pas l'équipe, il ne fait pas partie donc, des gagnants en cas où l'équipe est lauréat. Donc un coach c'est un encadrant, c'est un supporter qui va aider l'équipe à avancer, à développer donc, dans le projet. Donc comme il a été un peu dicté tout à l'heure, le challenge donc, il s'étale de septembre 2016 jusqu'au avril 2017. Donc les dates les plus importantes, donc maintenant on est déjà dans la phase Acceleration Day, le 5 novembre. On va passer plus tard donc, à la phase élaboration du travail et soumission de propositions de projet. Donc je donne plus les deadlines le 18 décembre, donc c'est la date limite pour soumettre donc, votre proposition. Il y aura une évaluation par un jury, donc toutes les propositions vont être évaluées et on va retenir que les 15 meilleures idées. Donc les 15 meilleurs projets vont être retenus et l'annonce de cette sélection va se faire le 29 décembre. Après, c'est au travail. Tout le monde donc, doit
marché de votre projet, il faut montrer et illustrer donc la faisabilité technique de votre idée, donc tout ce qui est conception, spécification, quels sont les équipements nécessaires à la réalisation de votre prototype, les logiciels, tout ce dont vous avez besoin, et aussi un modèle d'affaires, parce qu'on ne veut pas que les projets soient juste des belles idées qui se mettent dans les tiroirs. On veut que ces idées soient concrétisées par des start-up, par des applications qui servent à la Tunisie. Et donc, justement, on a besoin de ce modèle d'affaires. Les livrables vont être définis plus tard sur la plateforme qui a été déposée. Ce sont des rapports, des vidéos, etc. Pendant cette période de phase 1, vous aurez un coaching sur la plateforme sous forme de forum, sous forme de présentation, des discussions, etc. Après avoir, comme j'ai dit, déposé vos projets, le deadline 18 décembre, on va évaluer ces projets-là et on va retenir les 15 meilleures idées. La deuxième phase, donc, elle concerne un peu les 15 meilleurs projets retenus, consiste justement à prototyper votre donc à réaliser réellement votre projet et vous serez accompagné par des parrains industriels qui vous fourniront un peu l'aide matérielle, l'aide éventuellement aussi technique pour achever et pour mettre concrètement donc, votre projet. Donc la date de remise de ces projets c'est le 16 avril. Comme j'ai dit, l'évaluation c'est le 21 avril et la distribution des prix sera le 28 avril. Quels sont les critères de sélection? Donc, parmi ces critères, les plus importants, c'est le degré d'innovation, c'est le degré de répondre à un besoin, l'existence d'un marché potentiel, le respect des éléments de la chaîne de valeur qui ont été définis dans le projet, et bien sûr le degré d'avancement dans la réalisation. Comme je dis, j'insiste à ce qu'on veut aboutir à des produits qui sont concrets, des produits qu'on peut tester. Voilà, donc je vais passer la parole à Sikamel, qui va vous parler donc d'un aspect très important, c'est le respect de la propriété intellectuelle. Sûrement, vous préoccupez tous si on va voler votre idée, si on va faire quoi que ce soit avec votre idée. Donc, il va vous répondre à vous. Shukran, merci. Donc l'équipe d'organisation de Challenge a cru nécessaire que lors du lancement, quand on traite avec vous un petit peu des questions de la protection par le droit de la propriété intellectuelle des projets que vous allez faire. Donc vous savez bien qu'un porteur de projet, il aura à partir de la phase de l'idée jusqu'à la phase de la réalisation du projet, il aura à contacter plusieurs personnes, plusieurs responsables, donc des banques, financer des investisseurs, des partenaires. Lors de la discussion du projet aussi, pour ce qui nous concerne, il y aura des coachs, etc. Donc, le souci majeur et la crainte essentielle du porteur de projet est justement le risque de voir son idée, son concept, son projet voler par Donc, ici, vraiment, vous allez faire un investissement intellectuel, un investissement financier, vous allez mettre du temps, vous allez mettre de l'expertise dans le projet que vous allez mettre en œuvre, et voilà que, à une phase de la chaîne, donc voilà, il y a des gens qui vont profiter de votre idée et de la mettre sur le marché. C'est pourquoi le droit prévoit un certain nombre de mécanismes juridiques qui sont là pour protéger tous ces investissements-là. Un point de droit fondamental, c'est que les idées en soi ne sont pas protégeables par le droit. Hein. Les juristes connaissent un adage très connu selon lequel les idées sont libres de parcours. Une simple idée n'est pas protégeable. Il ne faut pas se mettre fausse conviction là-dessus, une simple idée n'est pas protégeable. Mais le droit protège la forme dans laquelle est formalisée et mise d'une manière concrète.
faite donc, dans la vie économique. Hein. Donc c'est le principe à retenir. C'est-à-dire, bon, je sais que certains pensent qu'une simple idée peut être protégée par le droit. Non, bien non. Hein. Je vais vous montrer quels sont les principaux mécanismes qui permettent cette protection. En réalité, la protection des idées innovantes, des projets innovants, tient essentiellement les questions d'éthique. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, moi, si je prête avec vous relativement à un projet, normalement, vous êtes venu de respecter et de reconnaître la titularité de mon idée, de mon projet. Bien sûr, le droit ne se limite pas à cela. Le droit donc, présente un certain nombre de mécanismes donc, qui vont permettre de protéger votre idée. Il y a des mécanismes qui relèvent du droit positif, ce sont des textes qui existent, il y a des mécanismes même obligatoires, hein, donc, qui sont imposés par la loi, il y a même des mécanismes, des mécanismes institutionnels et même des sanctions qui sont derrière cette protection. Ceci étant dit, l'idée innovante n'est pas protégeable uniquement par le droit. Vous savez bien qu'il y a même une protection technique, il y a des mécanismes, ce que l'on appelle les dispositifs techniques de protection des œuvres, donc des dispositifs anti-copie, le cryptage, le DRM, tout ça, ce sont des mécanismes qui sont là, et ces mécanismes techniques qui sont là pour protéger. Donc, c'est juste pour montrer que la protection juridique est complémentaire par rapport aux autres types de protection auxquelles vous pouvez faire recours. Donc, une protection par le droit de la propriété intellectuelle. Sans entrer dans les détails, peut-être que moi je suis un coach, peut-être que lors de l'examen des cas particuliers, on entrera dans les détails. Il faut dire que, en général, on présente les principales batteries de protection des créations sous deux grandes catégories. Il y a la protection par le droit de la propriété littéraire et artistique, c'est la protection par le droit d'auteur et le droit voisin, donc ce qu'on appelle couramment le copyright. Et la deuxième grande batterie de protection relève de la propriété industrielle, hein, le droit de brevet, le droit des marques, le droit des dessins et modèles, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail. En quoi consiste la protection juridique par le droit de la propriété intellectuelle? D'abord, interdire à autrui d'utiliser ou d'exploiter la création sans votre autorisation, ou bien sans avoir payé en avance des, ce que l'on appelle des droits patrimoniaux, des droits économiques, hein, liés à l'exploitation de la création. Deuxièmement, bénéficier d'un monopole d'exploitation économique, c'est-à-dire le créateur, le porteur du projet, est seul, sur le plan juridique, autorisé à utiliser la création durant une certaine durée, ça dépend selon la catégorie de droits, droits d'auteur, ou bien etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et troisièmement, protéger l'intégrité et la paternité de la création. C'est ce qu'on appelle couramment les droits moraux liés à votre création. C'est-à-dire qu'on va, le droit protège l'intégrité de votre idée et aussi donc la paternité, c'est le fait de la titularité et la propriété intellectuelle, disons, de la création. Cette protection se fait aussi par un mécanisme essentiel, un mécanisme procédural qui est ce que l'on appelle le dépôt. Le dépôt de votre idée, de votre projet innovant, devant une instance, un organisme donc, qui est créé par l'État pour dépositaire de ces idées. Bon, généralement, on distingue deux grands systèmes. Il y a le dépôt dans la propriété industrielle, on dépose obligatoirement ses créations et ses projets devant l'INORPI, c'est un mécanisme obligatoire pour la propriété industrielle, et pour les droits de l'homme, pour le copyright, la loi tunisienne, la loi sur le droit d'auteur telle que modifiée en 2009, prévoit le dépôt, mais il n'est pas obligatoire. Donc pour les œuvres de l'esprit, les œuvres scientifiques, les œuvres artistiques, les logiciels, aussi ce n'est pas obligatoire de les déposer auprès donc de l'organisme donc, tunisien de défense des droits d'auteur et des droits voisins. Bien qu'ayant une valeur économique certaine, certaines idées innovantes ne sont protégeables ni par le droit d'auteur ni par le droit de la propriété.
propriété industrielle, le savoir-faire dans un domaine, dans un métier bien déterminé, une théorie mathématique, si complexe soit-elle, n'est pas protégeable, hein, etc. Un projet innovant qui n'a pas été concrétisé dans un produit n'est pas protégeable. Dans ce cas, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que, justement, le mot d'ordre ici c'est de préserver donc le secret et la confidentialité de votre idée contre toute fuite ou tout vol. Ici, le droit, en quelque sorte, le droit positif, c'est-à-dire des règles impératives établies dans les lois, ne disent rien. Par contre, on va voir qu'il y a un certain nombre de mécanismes plutôt contractuels qui sont utilisés pour protéger l'idée. Le mécanisme essentiel, c'est les fameux NDA, hein, les fameux accords de confidentialité qui sont conclus entre vous en tant que porteur de projet et tous les intervenants dans la chaîne de négociation ou dans la chaîne de financement ou les partenaires. C'est-à-dire que ce sont des accords, ils peuvent prendre ou bien la forme d'un accord bilatéral ou bien d'un engagement que vous allez établir et dans lequel vous allez mettre donc tous les éléments relatifs à votre idée. Et il est préférable que dans l'accord de confidentialité soit établi dans la durée de votre partenariat et même après un certain nombre d'années, justement pour préserver la confidentialité des informations. Établir une fiche technique détaillée sur l'idée ou le concept, c'est-à-dire le fait de formaliser votre idée dans les détails, techniques surtout, et de les mettre dans un document, c'est en soi une certaine protection. Hein. Dans la pratique, souvent dans ce document, dans cette fiche technique de produit ou d'idée, on laisse certains aspects qui sont très confidentiels, non divulgués, selon l'état d'avancement de votre négociation de l'idée. Hein. Il y a aussi un autre mécanisme, c'est d'établir la preuve de son existence. Hein. C'est-à-dire que, bon, l'idée, vous la maîtrisez vous, ou peut-être un cercle très restreint, il faut chercher à attester la paternité de votre idée ou votre projet par un organisme tiers, généralement exclusif. On peut même parfois, puisque le dépôt n'est pas obligatoire, surtout en matière de droit d'auteur, des logiciels, etc. Donc, on peut établir par un procès d'un huissier de justice, pas un procès d'un huissier notaire, qu'à une certaine date qui est considérée sur le plan juridique, on parle de la notion de date certaine. C'est-à-dire la date qui est établie, le constat établi par un huissier, par exemple, de l'existence de ce document ou de l'existence de ce document retraçant l'idée. Donc, par exemple, cette preuve est peut-être établie devant l'organisme tunisien de défense des droits d'auteur, surtout pour les logiciels. Parce que les logiciels ne sont pas, une précision de taille, c'est que les logiciels ne sont pas protégeables par le droit de brevet en Tunisie. Parce que les logiciels sont considérés comme des œuvres de l'esprit, donc protégeables par le droit de brevet. Laissez trace des preuves de tout échange avec les partenaires de votre idée ou concept, c'est très important, surtout les échanges sur Internet, sous forme de mail, etc. Il faut laisser ces traces. Hein. Parfois on peut même aller à des idées un petit peu qui me semblent un petit peu tirées par les cheveux, c'est un envoi à soi-même de lettres recommandées pour prouver qu'à une certaine date, certaine prouvée par la poste, le document existe, parce que ça joue en termes d'antériorité, parce que lors du dépôt d'une idée innovante, parfois il peut y avoir un conflit entre vous et un autre porteur de projet sur la date de l'idée ou la date du projet, vous voyez. Le comité de pilotage de Challenge a pris l'initiative, moi je fais partie du comité, donc on a rédigé des NDA, on a rédigé aussi des accords de partenariat avec les entreprises qui vont être associées à cet exercice, et normalement, cet aspect-là, on va essayer de le couvrir au maximum. Hein. Je terminerai par une dernière idée, c'est que c'est vrai que jusque-là, j'ai parlé de la protection par les droits de propriété.
propriété intellectuelle, de nos droits, des droits des porteurs de projet. Mais il ne faut pas oublier que le porteur de projet est aussi soumis à un devoir fondamental, intellectuel, celui de respecter la propriété intellectuelle d'autrui. Hein? Et ici, ce n'est pas un simple devoir, moral. La loi existe et prévoit des mécanismes de sanction si, lors de vos idées, vous allez se suffire uniquement par copier et coller des idées qui existent dans d'autres pays, etc. Donc, il faut jouer le jeu. Si vous voulez que les autres respectent vos droits, il faut